Le voilà enfin. Entrez donc. Richard, je vous présente ma fille, Louise. Enchantée. De même. Je ne savais pas que vous aviez une fille aussi charmante. Bienvenue. Merci. Prenez donc place. Albert, venez donc débarrasser notre invité. Bonjour, monsieur. Bonjour. Laissez-moi vous débarrasser. Merci bien. Ah, je vois qu'on a sorti du bon vin. Je l'ai fait remonter de la cave spécialement pour vous. C'est très gentil. C'est plutôt fort amusant de voir ce genre de bouteille ici, dans le sens où je suis plutôt flatté. Ce vin, je l'ai plutôt remarqué dans des mariages ou des réceptions plutôt importantes, avec des gens de qualité. Et c'est là que je vois que vous avez un très bon goût. Merci bien. D'ailleurs, au passage, dans ces réceptions, on voit que ce vin était le plus admiré. Merci, Albert. Le plus admiré des charmantes jeunes filles comme vous. C'est un fait. Ce vin est une exception parmi tant d'autres. Mais vous avez choisi un vin d'une qualité supérieure. J'apprécie. Merci, ma chère. Il est naturel que une femme de votre genre apprécie un tel vin. Non, je pense pour ma part que certains vins sont destinés à plaire à certaines femmes et à d'autres non. Vous voyez, j'ai un ami que je connais depuis déjà quelques temps qui avait tendance à sélectionner un type de vin particulier selon la femme qui était en face. C'est un concept particulier, mais j'apprécie cette vision des choses. Enfin, d'ailleurs, cet ami, cela fait longtemps que je ne l'ai plus vu, mais lui, il dénote beaucoup de ces nombreux amis aisés qu'on peut avoir. Vous savez, lui, c'est quelqu'un de très cher. Il m'a offert notamment une montre à gousset plutôt remarquable, je dirais. Plutôt cher. Oui, j'aime bien la porter sur moi le plus longtemps possible. J'ai entendu parler de ces histoires. Ce ne serait pas notre cher ami Robert, par hasard? Oui, c'est cela, oui, c'est cela. Oui, malheureusement, ça fait bien longtemps que je ne l'ai plus vu. Enfin, le temps passe. Avec votre mère, on s'entend depuis bien longtemps déjà. D'ailleurs, on a toujours ce fameux rituel entre fins connaisseurs de vin, hein, ce fameux pari. Bon, c'est quelque chose que, sans doute, votre mère vous a expliqué, non? Oui, il me semble qu'elle m'a déjà raconté quelques histoires à ce propos. D'ailleurs, j'ai un vin prévu pour vous cette année. Eh bien, encore une caisse de vin à gagner pour moi. Cette année, vous ne trouverez pas, je vous le jure. C'est cela. Vous dites cela à chaque fois. Oui, mais je suis vraiment sûre de moi cette fois. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Ce qu'on verra, j'ai hâte. Mais bon, sur ce, je dois m'absenter quelques instants, vu m'excuser. Mère, il est agaçant. Je sais, mais c'est un très bon ami à moi. Fais un effort. C'est un odieux personnage. Il est trop vantard et si entreprenant. Pèse un ton, il arrive. J'ai beaucoup réfléchi. Et je me disais, au vu de la difficulté que vous me promettez pour deviner ce vin, je pensais pourquoi pas pimenter la chose. Pourquoi pas augmenter l'enjeu? Mais ce sera avec plaisir, je suis vraiment sûre de ma difficulté, vous ne trouverez jamais. Eh bien alors, au lieu de passer à une caisse de bouteilles, disons, je ne sais pas, quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Vous pouvez augmenter les prix, je suis vraiment sûre de moi. Oui, les prix, oui. Quoi, par exemple? 10 000 livres? 10 000 livres. Vous savez, l'argent, c'est matériel. L'argent, c'est... Puis j'en ai bien assez. Tant. Je sais pas, quelque chose... Vous seriez prête à quoi? Je peux parier ce que je veux. Vous ne trouverez jamais. Jamais vous ne trouverez ça. Ce que vous voulez. Une maison? Oui, une maison. Oui. Une maison, deux maisons. Deux maisons. Cela importe peu. Je n'ai pas vraiment peur de ce défi. Seulement, voilà, il faut une contrepartie. Et que voulez-vous?
Ce que je veux... Difficile à dire. Quoique, il y a bien une chose que je convoite ici. Mais je ne pense pas que vous seriez prêt à le laisser. Je suis excessivement sûr de moi. Ah. Donnez-moi votre prix. La main de votre fille? Je vous demande pardon. C'est hors de question. Je ne suis pas un simple objet que l'on peut parier pour un pari si futile. Ma chérie, réfléchis. Non, je ne suis pas d'accord. Deux maisons? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas un objet. C'est impossible qu'il gagne, tu commencerais ta vie riche. Vous êtes vraiment sûre de vous? Tout à fait. Tout de même, mère. Je suis absolument certaine, il n'y a aucun moyen qu'il trouve. Entendu? Entendu. Albert, apportez-moi donc la bouteille que j'ai préparée. Voici. Merci, Albert. Oui, une robe plutôt caractéristique d'un Bordeaux. Ça, c'est aucun doute. La difficulté, c'est de trouver vraiment à quelle commune il appartient. On voit déjà dans l'odeur une certaine timidité, ça fait aucun doute que ça vient de la commune de Bécheville, je pense. Commune de Bécheville. Une certaine grâce, surtout à la respiration après. Il y a pas mal de... ce côté un peu pervers du vin, on voit qu'il est très accrocheur, très agressif. Je dirais un Bécheville, mais la question c'est, est-ce que c'est un château Talbot? Ce qui est fort probable. Je préfère avoir toutes les précautions nécessaires, car l'enjeu est important. Ouais, château Talbot, ça me paraît évident. Mais non. C'est un Saint-Julien. Aucun doute. Saint-Julien. C'est votre dernier mot? Un Saint-Julien. Ai-je raison, très cher? C'est impossible. Mère! C'est impossible, il ne pouvait pas trouver... Bon, eh bien, je crois que... les dés sont jetés. Non, nous allons renégocier, ce n'est pas possible, vous ne pouviez pas trouver. J'ai trouvé la montre de monsieur dans la cave à vin.